La femme cachée, nouvelle, écrite par Colette, lue par Équilibre, Livre audio. Le portrait. Elles ouvrirent en même temps les deux fenêtres de leurs chambres communicantes, firent claquer les persiennes mi-closes sous le soleil et se sourirent, penchées sur le balcon de bois. Quel temps La mer n'a pas une ride, elle en a une veine. Tu as vu comme la glycine a poussé depuis l'an dernier et le chèvrefeuille Il a des rejets pincés dans les persiennes maintenant. Tu vas te reposer, Lily Moi, je prends un chandail et je descends. Oui. Je ne tiens pas en place le premier jour. Qu'est-ce que tu fais, Alice Je range mon armoire à linge. Elle embaume la lavande de l'an passé. Laisse-moi, je m'amuse comme une folle. Va à tes petites affaires. Les cheveux courts oxygénés de Lily firent un salut de guignol, et l'instant d'après, Alice la vit descendre, verte comme une pomme, dans le jardin sablonneux, mal protégée du vent de mer. Alice rit sans méchanceté. Ce qu'elle est ronde elle abaissa un regard content sur ses longues mains blanches et croisa sur l'appui de bois ses avant-bras maigres, en aspirant l'air riche de sel et d'iode. La brise ne dérangeait pas un cheveu de sa coiffure, à l'espagnol, lissée en arrière, front et oreille découverts, saillante à son joli nez correct, mais sévère à tout ce qui déclinait en elle, ride horizontale au-dessus du sourcil, joue détendue, Orbite charbonnée, d'insomnieuse. Son amie Lily blâmait la coiffure impitoyable. Qu'est-ce que tu veux Moi, je trouve qu'un fruit un peu sec a besoin de feuillage. À quoi Alice répondait Tout le monde ne peut pas se coiffer à quarante ans comme une petite girl des folies. Elle vivait en parfaite entente, et la taquinerie jetait chaque jour quelques tisons au feu de leur amitié. Élégante osseuse, Alice constatait volontiers. Je n'ai pas varié de poids, pour ainsi dire, depuis l'année de la mort de mon mari. D'ailleurs, j'ai gardé une de mes blouses de jeune fille comme curiosité. On la croirait faite d'hier, sur mesure. Lily ne rappelait, et pour cause, aucun mariage. La quarantaine, après une jeunesse étourdie, l'avait dotée d'un incompressible embonpoint. C'est vrai que je suis potelée, déclarait-elle. Mais vous voyez ma figure, pas un pli. Et le reste à l'avenant. C'est bien quelque chose, vous m'avouerez. Et elle glissait un regard malicieux sur la joue creusée d'Alice, sur l'écharpe ou le renard destiné à cacher l'étendant du cou, les clavicules en barre de thé. Mais un amour mieux encore qu'une rivalité liait l'une à l'autre ces deux amies. Le même homme, beau, célèbre, bien avant de vieillir les dédaignait. Pour Alice, quelques lettres du grand homme témoignaient que pendant quelques semaines, il avait pris goût, à ses yeux jaloux, à son élégance fatale de brune maigre, adroitement voilée. Lily ne gardait rien de lui qu'un pneumatique, mais étrangement laconique et pressant. Peu après, il les oubliait toutes deux, et le « comment tu l'as connu aussi ?» des deux amis précédait des aveux presque sincères, qu'elle recommençait sans se lasser. Je n'ai rien compris à son silence brusque, reconnaissait Alice, mais il y a eu un moment de notre vie où j'aurais pu, j'en suis sûre, être l'ami, le guide spirituel de cet homme léger, qu'aucune n'a su retenir. Ça, mon petit, je ne dis pas le contraire, ripostait Lily. L'ami, le guide, je n'ai jamais rien compris à ces grands mots-là. Ce que je sais, c'est qu'entre lui et moi, un matin, ça flambée. On ne pensait pas au pathos, je t'en réponds. J'ai senti, mais là aussi clairement que je te parle, que j'aurais pu régner sur cet homme, là par l'essence. Et puis ça a craqué, ça craque toujours. Contente en somme de déboires égaux, arrivée à l'âge de parer des petites chapelles, elles avaient suspendu dans le Contente en somme de déboires égaux, arrivés à l'âge de parer des petites chapelles, elles avaient suspendu dans le salon de la villa de Lily qu'elles habitaient à frais communs pendant deux mois un portrait de l'ingrat, le meilleur portrait, celui qu'utilisaient tous les quotidiens et les revues illustrées un agrandissement photographique retouché aggravée de noir gras comme une fougueuse eau forte, attendrie de rose à la bouche, de bleu aux prunelles, comme une aquarelle. Ce n'est pas, à proprement parler, une œuvre d'art, disait Alice mais quand on l'a connue comme moi, comme nous, Lily, c'est vivant. Depuis deux années elle se résignait gaiement à une sorte de dévote solitude, recevait des amis inoffensives, des amis anciens et usagers vieillir, et mon Dieu. Oui, vieillir, il faut bien s'y faire vieillir sous les yeux de ce portrait jeune, à la lueur d'un beau souvenir vieillir en bonne santé, au cours de petits voyages reposants, au cours de petits repas soignés. Tu crois que ça ne vaut pas mieux que de traîner les dancings, les masseuses et les salles de jeu, disait Lily. Alice approuvait de la tête et ajoutait. Tout est tellement pauvre après un souvenir comme celui là. L'armoire rangée, Alice changea de robe, boucla sur sa taille une ceinture de peau blanche et sourit. Au même cran que l'an dernier, c'est vraiment amusant. Mais elle se reprocha d'avoir tardé à saluer dans le salon du rez de-chaussée leur portrait. Alice. Alice, tu descends? La voix de Lily en bas l'appelait. Elle se pencha, appuyée au balcon de bois. Une minute. Quoi? Descends. Quelque chose de curieux vient. Vaguement émue, toujours prête à la rencontre romanesque, elle courut et trouva Lily devant leur portrait, décroché, posé en pleine lumière sur un fauteuil. Une humidité exceptionnelle, quelques combinaisons du sel et de la couleur avaient élaboré en dix mois, dans l'ombre de la villa fermée, un désastre intelligent, une œuvre de destruction où le hasard s'armait d'une malveillance presque miraculeuse. La moisissure, dessinée sur le menton romain du grand homme, une barbe blanchâtre de vieillard mal soigné, des cloques dans le papier gonflaient en haut de ses joues deux poches lymphatiques quelques grains de fusain noir, glissant de la chevelure sur tout le portrait, chargé dents et de rides un visage de conquérant. Alice mit ses mains blanches sur ses yeux. C'est. C'est un vandalisme. Lily, prosaïque, soupira à un Eh ben, qui en disait long. Elle ajouta fébrile On ne va pas laisser ça là. Dieu non, j'en serais malade. Elles échangèrent un regard. Lily trouva Alice jeune dans sa sveltesse, et Alice ne put se défendre d'un mouvement d'envie. Quel teint cette Lily Une pêche. Leur déjeuner résonna de bavardages inusités, où il fut question de massage, de régime, de robe et du casino proche. Elles parlèrent comme incidemment de la jeunesse prolongée de certaines artistes, de leurs amours affichés sans motif apparent, Lily s'écria. Flûte, courte et bonne. J'aime mieux longue et joyeuse. Et Alice prononça distraitement quatre ou cinq fois le même nom d'homme, celui d'un de leurs amis qui devait passer, ou je me trompe fort, l'été dans la région. Une fièvre d'évasion, une chaleur de mauvais dessein les fit gourmandes, buveuse, fumeuse, et libre en parole mais Alice, au salon, détourna pitoyablement la tête en passant devant le portrait, et ce fut la triviale Lily, rubiconde, un peu grise, qui souffla au nez du grand homme une fumée méprisante. Pauvre vieux.